Alors, sans plus tarder, je commence tout de suite avec ma présentation, donc qui va porter sur l'évaluation des interventions en pédiatrie sociale en communauté. Ça va être divisé en deux thèmes. Premièrement, je vais vous parler des sources de complexité de l'évaluation de l'intervention en pédiatrie sociale en communauté. C'est des éléments qui ont été mentionnés plus ou moins directement et indirectement dans les présentations de ce matin. Alors, je vais vous parler un peu de ce que j'ai constaté à travers mes apprentissages sur la pédiatrie sociale en communauté depuis un an. Et ensuite, je vais vous parler d'un devis de recherche qui pourrait vraiment être intéressant à implanter pour mesurer les impacts de la pédiatrie sociale. Je vais vous en parler assez rapidement aussi, on ne veut pas aller trop dans les détails, parce que bon, ça peut être un peu ardu, mais je vais vraiment y aller en surface. L'idée, c'est vraiment de vous donner le goût d'aller un petit peu plus loin pour en apprendre davantage sur ce devis-là. Donc, je reviens là-dessus tout à l'heure. Alors, mais pour commencer, donc, je me suis présentée tout à l'heure. Maintenant, je vais vous poser une question avec le Pause Everywhere. Alors, ceux qui l'ont, si vous voulez répondre. En fait, je vais vous poser une première question, puis ensuite, je vais vous poser une deuxième question. Et ensuite, moi, quand je vais repartir chez moi, je vais pouvoir extraire les données, les réponses à vos questions qui sont anonymes. Puis, je vais essayer de voir s'il y a des tendances qui se dégagent. Je me suis dit que j'en profiterais. On est chercheur ou on ne l'est pas. Ah, puis là, ça ne fonctionne pas. Attends un peu. OK. Donc, je pense qu'il faut revenir. Je ne sais pas si, Benoît, tu peux y aller avec... Ça marche? Ah, vous le voyez? Vous voyez sur votre... OK. Oui. OK, super. Donc, je vous donne quelques petites minutes pour répondre. Donc, c'est vraiment pour voir à quelle fonction vous... qu'est-ce qui correspond mieux à votre fonction actuelle. Donc, on voit, on a beaucoup de médecins de famille, pédiatres en pédiatrie sociale. Travailleurs sociaux, éducateurs, psychoéducateurs. Okay. Ah, le autre, ça, c'était la catégorie que je me disais, j'espère qu'elle n'ira pas jusqu'au bout, que j'aurai pas... Ouais, c'est pas trop mal. Je ne savais plus quoi mettre dans autre. J'aimerais bien savoir vous êtes qui, mais... Avocat, ah oui, ben c'est ça, j'ai mis autre professionnel qui travaille en CPSC. Autre, OK. Maintenant, bon, vous allez peut-être comprendre un peu mieux pourquoi je vous pose cette question-là. Parce que ma deuxième question, ça va être un word cloud. Donc, ce que j'aimerais que vous me disiez, bon, je pense que ça va. Ce que j'aimerais que vous me disiez maintenant, c'est... Ça peut fonctionner. Je pense que je vais avoir besoin de l'aide de Benoît encore. Une chance qu'il est là. Oui, OK. Donc, j'aimerais que vous me nommiez un élément dans la vie des enfants suivi en centre de pédiatrie sociale et qui est, selon vous, affecté par l'intervention. Donc, allez-y avec un élément qui vous semble important. Ça peut être un élément au niveau de l'enfant, ça peut être au niveau de son milieu. Donc, qu'est-ce qui change avec l'intervention en pédiatrie sociale? Donc, je laisse quelques minutes pour les réponses. Alors, on voit ici, on a estime de soi, qui est fort, le réseau, l'appartenance, l'anxiété. Estime de soi est très fort. Pourtant, sécurité, développement, confiance. Parent-enfant, j'imagine, c'est la relation parent-enfant. Comportement, attitude, attachement, résilience, confiance, espoir. On a vraiment. Et donc, ça démontre le point suivant que je vais faire. Je ne sais pas si je suis pointable. Ah! C'est une des sources de complexité
l'évaluation, c'est que les indicateurs d'impact sont nombreux et concernent plusieurs sphères de la vie des enfants. On l'a bien vu avec, avec vos réponses. Moi, à un moment donné, quand j'ai commencé à lire sur la pédiatrie sociale, je suis allée voir des cliniques, j'ai discuté avec des acteurs de la pédiatrie sociale, puis à un moment donné, je me suis mis à noter. À toutes les fois qu'un indicateur était nommé directement ou indirectement, quand je venais avec une idée, avec un nouvel indicateur qui pourrait peut-être témoigner de l'influence de la pédiatrie sociale, je le notais. Puis j'en suis arrivée avec ce tableau-là. Je ne m'attends pas à ce que vous puissiez tout lire, mais bon, il y en a qui sont plus pertinents, il y en a qui sont moins pertinents, mais c'est tous des éléments pour lesquels j'ai pu faire un lien avec des choses qui sont faites en pédiatrie sociale. Donc, là, moi, j'en suis arrivée à une dizaine de dimensions, donc sur le plan de la santé, sur le plan psycho-affectif, comportemental, scolaire, social, développemental, au niveau du stress toxique. Hein, un des objectifs de la pédiatrie sociale, c'est de diminuer les sources de stress toxique ou encore et ou limiter leur impact sur les enfants. Bon, des indices plus globaux de bien-être, de qualité, de bonheur, de fonctionnement global. Des indices familiales, puis aussi au niveau du quartier, on peut penser qu'avec le temps, à mesure que les interventions en pédiatrie sociale au sein d'un quartier s'accumulent, bien, peut-être qu'on peut voir des changements dans des indicateurs plus globaux au niveau du quartier. Donc, ça montre bien, ça c'est le premier aspect de la complexité des interventions, de l'évaluation de l'intervention en pédiatrie sociale. Bon, les cibles d'intervention sont à court, à moyen, à long terme. À court terme, bien, on va avoir des choses comme simplement mettre en place des interventions pour combler les besoins de base des enfants, la nourriture, avoir un logement qui est salubre, etc. On va avoir à moyen terme plus des modifications, peut-être au niveau des comportements impulsifs, etc. Puis au niveau aussi des parents, au niveau des habiletés parentales, etc. Puis à long terme, bien, là, on peut avoir des indicateurs comme la réussite scolaire, le bien-être global. Et ce que ça veut dire, donc, c'est qu'idéalement, en recherche, on veut pouvoir mesurer les impacts des indicateurs à court, à moyen, puis à long terme. Étant donné que les centres de pédiatrie sociale œuvrent à long terme, c'est possible de le faire, tant et aussi longtemps que les familles sont encore fréquentent encore les centres. Une autre source de complexité, les cibles d'intervention sont intermédiaires et ultimes. Ce matin, Mélanie Berry a référé aussi à cette idée-là, des cibles d'intervention qui sont plus immédiates, des cibles d'intervention qui sont plus à long terme. Tout ce qui est, il y a beaucoup d'actions en pédiatrie sociale qui sont faites pour travailler au niveau des parents, au niveau des habiletés parentales. Ça, c'est pas c'est des cibles intermédiaires. C'est pas le but ultime, c'est l'enfant. C'est toujours l'enfant qui est visé. Mais idéalement, en recherche, on veut pouvoir mesurer à la fois les cibles intermédiaires et les cibles, l'atteinte des cibles intermédiaires et des cibles finales ou ultimes. L'intervention est personnalisée, n'est pas standardisée, ce qui peut être complexe au niveau de l'évaluation de l'intervention. Et finalement, un même indicateur est susceptible d'être affecté par plusieurs sphères, plusieurs composantes de l'intervention. Et là, je vais vous montrer ici, ça c'est un exemple, bon, durant les derniers mois, on a travaillé sur un modèle théorique de changement, donc un modèle logique qui vient expliciter comment l'intervention produit ses effets en pédiatrie sociale en communauté. Donc, on a travaillé très fort là-dessus. Ça fait référence, j'étais contente d'entendre Mélanie Berry ce matin parler d'un modèle théorique du changement. Bien, c'est ça. Avant de pouvoir mesurer, il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait, il faut le décrire. Alors, durant les derniers mois, on a travaillé à partir des apprentissages qu'on a faits sur la pédiatrie sociale, à partir de la littérature qui porte sur les facteurs de risque, les facteurs de protection dans la vie des enfants, la littérature sur des modèles d'intervention qui sont similaires, qui partagent des caractéristiques avec la pédiatrie sociale. Donc, on en est arrivé à un modèle qui est, ça c'est une petite partie du modèle, c'est simplement un exemple pour montrer que, donc, en haut, on a les différents processus, les différents services. Donc l'exemple porte sur les comportements perturbateurs. Alors, quelle théorie du changement on peut postuler pour expliquer
rendre compte des effets des interventions en pédiatrie sociale sur les comportements perturbateurs. Quand on parle de comportements perturbateurs, on va parler généralement d'agression, hyperactivité et opposition. Donc, à travers nos apprentissages et à travers le travail qu'on a fait, on a conclu qu'il y avait probablement au moins deux mécanismes qui étaient affectés par l'intervention en pédiatrie sociale en communauté et qui venaient ensuite avoir un impact sur les comportements perturbateurs. Donc là, on est vraiment dans les objectifs. En haut, on est dans les processus, les services. Ensuite, on est dans les mécanismes plus intermédiaires et on a l'objectif d'intervention à la fin. Donc, c'est pour illustrer. Donc, dans ce cas-ci, on a seulement un indicateur qui est les comportements perturbateurs, mais on voit qu'il y a au moins 5 services qui peuvent avoir un impact. Et si j'étais allée vraiment dans le détail, là, j'aurais probablement pu arriver avec d'autres éléments. Donc, c'est vraiment pour démontrer cette complexité-là. Et donc, cette évaluation-là présente vraiment des défis importants. Ces défis-là, ils peuvent être relevés, mais on va avoir besoin évidemment de la collaboration des centres de pédiatrie sociale. Donc, c'est vraiment un effort collectif qu'on doit faire. Et là, je vais vous parler de ce modèle de design de recherche qui est utilisé en recherche, mais qui est aussi utilisé par les praticiens. C'est fortement recommandé pour les praticiens dans différents domaines. Et donc, c'est des modèles qui non seulement peuvent être implantés par les chercheurs, mais qui peuvent aussi être implantés par les praticiens pour voir les impacts de leur pratique. Évidemment, donc nous, c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place éventuellement dans le cadre de la Charte de pédiatrie sociale. Et s'il y a un intérêt, on aimerait beaucoup qu'il y ait un intérêt des centres de pédiatrie sociale. Évidemment, l'idée, ça serait que les chercheurs guident l'implantation de ce genre de devis-là. Donc, je vous en parle brièvement. Donc, image vaut mille mots. Un devis à cas unique, c'est ça. Donc, ici, c'est un exemple hypothétique qui a été utilisé par les auteurs. Les références sont à la fin, donc vous pourrez aller les consulter si ça vous intéresse. Donc, ce n'est pas vraiment une vraie intervention qui a été mise en place, mais qui pourrait être mise en place. Donc, c'est pour illustrer l'effet d'une intervention sur les habiletés sociales qui serait mise en place auprès de jeunes autistes. Et ici, l'effet est mesuré, l'intervention est appliquée chez trois enfants en milieu scolaire. Et la façon dont ça fonctionne, en fait, c'est qu'on prend des mesures à chaque intervalle, à un intervalle donné. Dans ce cas-ci, ce qui était mesuré, donc en bas, en abscisse, on a des journées. Donc, à chaque jour, il y avait une mesure qui était prise. Et puis, en ordonnée, on a le nombre de contacts sociaux qui sont initiés par les enfants durant le lunch, durant l'heure du dîner. Alors, la façon dont ça fonctionne, ce genre de devis-là, c'est qu'on a deux phases. On a premièrement une phase de niveau de base. En anglais, c'est baseline, donc à gauche de la ligne verticale. La ligne verticale représente le début de l'intervention et tout ce qui est à la droite de la ligne verticale, c'est post-intervention, c'est après le début de l'intervention. Donc, ce que ça permet de faire, ces devis-là, en fait, c'est vraiment de voir le changement intra-individuel. Okay? Donc là, on va regarder, la première phase, on va mettre en place les mesures pour vraiment arriver à avoir un niveau de base qui est relativement stable, pour voir à quoi ressemble le comportement de l'enfant dans son état normal avant qu'il y ait une intervention. Puis c'est important d'arriver à avoir quelque chose de relativement stable parce que c'est à partir de ça qu'on va évaluer l'impact de l'intervention. Une fois qu'on est arrivé, donc en général, on va mettre en place 5 temps de mesure pour le niveau de base. On met en place l'intervention et là, on continue à prendre des mesures et on vient les rapporter sur un graphique comme celui que vous voyez. Et donc, parmi les comportements, donc ici, le comportement qui était visé, c'était un comportement de contact social, les approches que les enfants font. Ça peut être une panoplie de comportements, ça pourrait être des comportements d'agression, c'est vraiment très, très large ce qui peut être mesuré, en autant que ça soit quantifiable et qu'on puisse vraiment bien définir la mesure.
Donc, à partir du moment où on peut faire ça, là, on peut mettre en place ce genre de devis. Et évidemment, bon, pour ce qui est de l'analyse comme telle, en général, bon, en recherche, on va faire souvent des analyses quantitatives en plus de l'analyse visuelle. Mais en milieu clinique, on va considérer que l'analyse visuelle peut être suffisante à montrer l'impact d'intervention. Il y a certains auteurs qui ne sont pas d'accord avec ça, mais la majorité des auteurs disent que, en tout cas pour mesurer l'intervention, l'effet de l'intervention en milieu clinique, ça peut être approprié. Nous, comme chercheurs, c'est évident qu'on veut aller plus loin pour pouvoir mettre en place différents contrôles, regarder des effets de modération, des choses un petit peu plus complexes. Pour ce qui est au niveau clinique, ça fonctionne bien quand on y va avec l'analyse visuelle. Et donc, l'analyse visuelle, ben, ce en quoi ça consiste, ça va être de regarder les changements au niveau de la pente, au niveau de la moyenne, puis au niveau aussi de la variabilité. Des fois, ça peut être pertinent. Donc, ici, on voit vraiment qu'il y a un changement tout de suite après le début de l'intervention, il y a un changement au niveau de la pente. Si on analysait, si on faisait une moyenne des comportements avant et après l'intervention, on verrait aussi un impact. Donc, c'est vraiment des devis qui peuvent être vraiment intéressants pour pouvoir mesurer de façon précise l'impact des interventions. Ici, je vous montre donc l'exemple précédent, c'était vraiment un exemple plus pour montrer comment ça fonctionne, mais ça, c'est un exemple d'une vraie analyse de devis clinique qui a été faite, qui était sur un modèle wraparound, donc un modèle qui est implanté, qui est individualisé, qui est implanté au niveau de la communauté. Donc, il y a certaines similitudes avec les modèles de pédiatrie sociale. Et donc, ici, c'était avec des adolescents. Ils ont regardé l'impact du modèle wraparound sur c'était des enfants, des jeunes qui étaient à risque de placement. Et donc, ils regardaient les jours par semaine où les interactions avec les pairs étaient appropriées au moins 85 % du temps. Donc, il y a eu toute une définition qui a été faite des comportements à observer. Et puis, donc, c'était vraiment pour montrer que ça peut être implanté dans des modèles d'intervention qui sont complexes comme ceux en pédiatrie sociale. Donc, pourquoi c'est pertinent ce genre de devis-là? Là, je vous ai vraiment donné juste un petit aperçu. Pourquoi c'est pertinent? Bien, c'est des devis qui sont hautement flexibles parce qu'ils sont vraiment centrés sur l'individu et sur sa réponse spécifique à l'intervention. Donc, on regarde le changement intra-individuel. Et donc, ça admet une hétérogénéité de profils. Donc, on peut vraiment utiliser des profils très différents. Ce qui est vraiment adapté à la pédiatrie sociale en communauté parce que, moi, de ce que j'ai vu, il y a vraiment toutes sortes de profils chez les enfants qui sont suivis. Donc, ça permet aussi de mesurer des interventions qui sont individualisées, des interventions qui sont à composantes multiples ou non. Dans le cas que je vous ai montré, wraparound, c'est des interventions à composantes multiples. Ça peut être des interventions toutes simples aussi. C'est aisément applicable en contexte de pratique. Nécessite peu de ressources, donc on n'a pas besoin d'investir énormément pour pouvoir mettre en place ce genre de modèle-là. Un faible nombre de cas est requis. Là, dans les exemples que je vous ai montrés, c'était des exemples où il y avait plus d'un cas, mais c'est également possible de le faire avec un seul cas, mais c'est vraiment c'est un type de modèle bien spécifique. Il faut comprendre aussi que les single case designs, ça comprend plusieurs sous-modèles, mais un faible nombre de cas, donc on peut avoir seulement 3-4 enfants et ça nous permet de mesurer des impacts, puis ça peut descendre jusqu'à 1. Et autre aspect intéressant de ce genre de design-là, c'est que ça peut aider à valider les pratiques d'intervention, donc dans une perspective d'amélioration continue, parce qu'on peut faire rapidement, on a accès à des mesures rapidement, et dans les exemples que je vous ai montrés, il n'y a rien qui empêcherait, par exemple, si on voit que l'intervention a peu d'effet, il n'y a rien qui empêcherait d'ajouter une nouvelle phase au single case design. Fait que là, on ajoute une autre phase, puis on voit comment le comportement change avec le changement de l'intervention. Donc, on peut vraiment faire, ce matin, Mélanie Berry parlait de faire des allers-retours. Je ne me souviens plus ce que j'avais noté en quelque part le terme. Mais donc, c'est vraiment un type de design qui est approprié pour pouvoir faire ce genre de choses-là.
Évidemment, comme tout modèle d'évaluation, il y a des limites. Les mesures répétées peuvent être exigeantes, en ce sens qu'on doit essayer le plus possible de se respecter le devis qui a été établi du nombre de mesures. Mais ça, évidemment, étant donné la flexibilité des modèles, bien, on peut vraiment bien planifier. Donc, la solution à ce genre de difficulté-là, c'est vraiment de bien planifier comment on va fonctionner, bien définir notre mesure, bien définir comment on va aller chercher les données. Puis, pour ce qui est de... on peut utiliser un système qui est vraiment très léger à utiliser. Maintenant, il y a des systèmes, même j'avais un collègue qui me parlait de systèmes de mesure qu'on peut utiliser avec le téléphone, les gens. Donc, il y a vraiment des façons qui peuvent être très légères à gérer sur le plan de la collecte de données. Il y a aussi, bon, évidemment, les biais des informateurs. Bon, les informateurs, on peut... parler des parents, on peut parler des intervenants, on peut parler des professeurs, ça peut être aussi même l'enfant lui-même s'il est en mesure de témoigner. Puis évidemment, bien, tout ce monde-là peut être plus ou moins biaisé dans son évaluation. Souvent, chez les parents, on peut parler d'effet placebo. Ils vont avoir tendance à surévaluer l'impact de l'intervention. Ça aussi, il y a différentes façons de s'assurer de limiter ces biais-là. Par exemple, en utilisant plusieurs informateurs, plusieurs sources d'informations. Évidemment, ça ajoute un petit peu à la lourdeur de la mise en place, mais ça peut vraiment valoir la peine. Et finalement, une autre limite, c'est déviation dans l'évaluation du comportement ciblé. Ça, c'est une tendance qui est généralement notée quand on fait des mesures répétées. Les gens vont avoir tendance à tranquillement changer leur façon d'évaluer. Les professeurs, ça leur arrive. Donc, quand on fait des mesures répétées comme ça, ça peut devenir, on peut avoir tendance à dévier un peu. Encore là, il y a des solutions à ça. Solution très simple, c'est vraiment de mettre un rappel sur l'instrument de collecte comme tel, de qu'est-ce qu'on vise comme évaluation. Donc, toutes des solutions que les chercheurs connaissent et sur lesquelles on pourrait vous guider là, pour implanter ces devis-là, s'il y avait un intérêt qui était manifesté par les gens en pédiatrie sociale.